قايم فين توم وقف لنا زي خطوم يا وز خطوم. بيرشوت مغيب رابوتاي. Je voudrais raconter quelques histoires sur Rabbi Chaim Pinto. Et je voudrais simplement faire une connexion avec la paracha de ces semaines-là qu'on est en train de vivre. L'histoire d'Abraham, l'histoire de Yitzhak, les histoires de Yaakov. Par exemple, si on raconte à quelqu'un que Abraham Abino, il a été jeté au four, que a priori le four était tellement fort, il y avait un feu énorme, que même de des centaines de mètres déjà, on ne pouvait pas approcher le four, tellement que c'était chaud. Comme le soleil. Le soleil, si le Hachamim ils disent que c'est vrai que le soleil l'approche un peu du monde et il brûle le monde. Akash Frère a créé le soleil d'une manière qui a une distance. Donc, qui peut y croire à ça? Que Abraham, il sort vivant du four. Qui va croire à ça? C'est incroyable. Mais on a beaucoup des histoires, comme par exemple Daniel, le prophète Daniel qui était jeté chez les lions, qu'ils étaient vraiment affamés et qui n'ont pas mangé. Qui va croire à ça? Il y a plein d'histoires que c'est dur de les croire. Mais il faut savoir une chose. Celui qui croit en Dieu, il sait très bien que... Qui va croire la traversée de la mer? Moshe Rabbeinu, il coupe la mer pour les bénis d'Israël. Les gens, ils disent qu'il y avait un raz de marée. Les gens, ils disent n'importe quoi. Mais c'est des choses... Qui va croire les 10 plaies en Égypte? Les gens, il faut que banaliser les choses. Par exemple, quelqu'un me dit hier, son frère, il est paralysé. Il me dit, je ne crois pas en Dieu. Il me dit, si le bon Dieu, il guérit mon frère pour qu'il marche, je commencerai à croire en lui. Alors sa mère, elle lui dit, mais ton frère, il n'a pas de pied, comment tu veux qu'il marche? Alors il répond à sa mère, si le bon Dieu fait pousser les pieds à mon frère. Bon, ça, c'est vraiment, il demande trop ce monsieur-là. Mais vous savez, s'il y avait un vrai tzaddik, s'il y avait un Baal Shem Tov, s'il y avait un Rabbi Chaim Pinto aujourd'hui, peut-être il aurait pu faire, peut-être. N'oubliez pas que le Maharal Miprag, il a créé un golem, un homme. À l'époque, les catholiques, à l'époque, ils accusaient les juifs qui tuaient un catholique pour faire de son sang les matzot. C'était comme des centaines de milliers de juifs ont été tués à cause de ce mensonge-là. Et à la fin, les prêtres et les grands papes, ils ont commencé à protéger les juifs, que c'est avec une invention, c'est pas possible. Donc à cette époque-là, le Maharal Miprag, il avait créé un golem, un être humain, supernaturel, qui ne parlait pas, mais qui était fort, et qui savait tout. Il pouvait rentrer, il pouvait être invisible. Qui va croire à ça? Il y a des choses qu'on ne peut pas croire. Mes amis, alors, dans la paracha de cette semaine, par exemple, la Torah nous raconte que le roi de Sédom, il a eu un grand miracle. Lorsque il a fait la guerre contre Nimrod, il y avait 5 rois, ils se sont réunis pour faire la guerre contre 4 rois. Ils ont perdu la guerre. Et Nimrod, avec son armée, ils ont écrasé tous ces rois-là qui sont venus leur faire la guerre. Et ils ont pris en captivité Lot. Et vraiment, jusqu'à que le roi de Sodom, il s'est sauvé. Où il s'est sauvé? Il s'est sauvé dans un endroit où il fabriquait du goudron. Et c'était du goudron. C'était le feu du goudron. Il y avait là-bas un four
où il faisait faire fondre le goudron. Et le roi de Sodome est tombé là-bas. Il y a eu un miracle. Il est sorti vivant de ce goudron. Celui qui tombe là-bas, il se décompose. Il disparaît. Alors lorsqu'ils l'ont vu, ils l'ont vu tomber. Ils l'ont vu se noyer dans le goudron. Et ils ont vu que après il est sorti de là-bas, vivant. Ils ont dit, si le roi de Sodom qui est Racha, il a eu ce miracle, alors le miracle qu'Abraham il a eu dans le four, c'est-à-dire que Hachem il a fait vivre, il a sauvé le roi de Sodom pour qu'on confirme l'histoire de Abraham. Parce que personne ne pouvait croire l'histoire de Abraham. Abino. Donc, en voyant ce qui s'est passé à l'autre, les gens ont dit, donc l'histoire d'Abraham est vraie. Mes amis, quelle est la raison pourquoi ces tzadikim-là, ils font des miracles? Ben parce que ces tzadikim-là, aussi, ils vont servir Hachem avec sacrifice. Comme, au moment que Hachem a dit à Abraham, prends ton fils et sacrifie-le, il n'a pas dit non. Tout de suite, il a dit d'accord. Qui peut sacrifier son fils? Qui peut égorger son fils unique? Enfin, Hachem, uniquement, il a testé. Il n'a pas... Il a pas il a, c'était pas dans l'idée d'Hachem qu'Abraham sacrifie son fils. Uniquement, il a voulu tester. C'est écrit dans la Torah. Mais Elohim, Nissa et Abraham. C'est dur. C'est un test qui est dur. C'est très, très dur. Mais Hachem, il a voulu voir jusqu'à où Abraham peut aller avec lui. Ah ben voilà, Abraham... Il s'est réveillé tout le matin, il a pris son fils, il est parti à la montagne de Moria pour le sacrifier. Vous voyez, puisque les tzadikim, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour Hachem, alors Hachem aussi, il est prêt à faire n'importe quoi pour eux. Par exemple, je voudrais simplement vous raconter une petite histoire. Vous savez, il y a quelque temps, il y a à peu près un mois, ma montre, et c'est cassé le Shabbat. Alors, après Shabbat, je l'ai donné à quelqu'un qui me la répare. Mais étant donné que cette montre-là, il faut l'envoyer à la maison qu'ils ont fabriqué une garantie, qu'ils ont fabriqué cette montre. Donc moi, je devais voyager le lendemain à New York. Et j'avais pas de montre. Et moi, je ne peux pas vivre sans la montre. Parce que pour les prières, pour les cours, pour les rendez-vous, vous savez, la montre, ça fait partie de la vie de la personne. La montre, ça fait partie de la famille. Donc il y avait un qui s'appelle Franck Besançon, que vous connaissez tous. Il s'occupe de Orot Hanania. Il me dit, Rabbi David, je vous prête la mienne. Bon, vous savez que moi je suis allergique au cuir. Donc c'était un peu du... C'était le bras, c'était en fer. J'étais content. Bon, il me l'a prêté. Et je devais bien faire attention parce qu'elle n'est pas la mienne, il faut que je la rende. Et voilà, hier, le monsieur à qui j'ai donné, un mois plus tard, le monsieur à qui j'ai donné la montre à réparer, il me la porte. Et j'étais content. Maintenant, j'avais la montre de Franck Besançon, à qui je devais lui rendre. Ben, je ne savais pas comment faire. Comment je ne vais pas l'appeler pour qu'il vienne la chercher? C'est moi qui dois lui envoyer par quelqu'un. Et j'ai prié à Hachem. J'ai dit, si Dieu veut que Hachem y fasse, que quelqu'un vienne, à qui je peux donner, quelqu'un qui connaît Franck Besançon, et qui n'habite pas loin de lui, comme ça, sans le déranger, c'est son chemin, il monte chez lui. Dommage que je n'ai pas demandé, Hachem apporte ma chéa. Dommage que j'ai demandé une chose simple. Vous savez, à peine j'ai terminé ma prière, il y a un monsieur qui rentre. Et ce monsieur-là, il vient, il me dit, Rabbi David, il y a à peu près 2 mois, 3 mois, je suis venu chez vous pour vous demander de l'aide. Et vous m'avez dit d'aller chez Franck Besançon, qui me donne
la donation. Et j'avais honte d'aller chez lui. Et voilà, maintenant je suis venu pour vous demander si ça ne vous dérange pas de l'appeler pour qu'il me donne la donation que vous m'aviez promis il y a 3 mois. Je le regarde. Je suis tellement content. Je lui dis, tu sais quoi? Tu tombes très bien parce que j'ai prié le bon Dieu que quelqu'un vient, quelqu'un qui connaît Franck Bessouza qui vient chez moi pour lui remettre cette montre-là, lui remettre. Il me dit, c'est vrai, Rabbi David? Il me dit oui, je lui dis oui. Je lui dis, mais comment ça se fait que tu n'as pas été chez lui depuis il y a 3 mois? Il me dit, je ne sais pas. Alors je lui dis, peut-être Mina Shamaim, ils ont calculé un calcul qu'un jour, je vais être obligé de lui rendre ce que lui il a pris d'une montre, et je vais être obligé de lui rendre, et j'aurai besoin de quelqu'un qui lui prend, et bien voilà, vous êtes là. Alors voilà, simplement, je te donne la montre, tu vas chez lui, tu lui donnes, et il va être content de recevoir sa montre parce que je l'ai portée pendant un mois. Non, il va bien la garder parce que pour lui, ça va apporter bonheur. Donc moi, je suis content de lui rendre sa montre. Et lui, il va être content de la recevoir. Et lorsque je vais lui demander la donation de ma part, il va être content de te la donner parce que il te fait pas un service. Au contraire, c'est toi qui lui as fait un service en lui apportant la montre que je te donne à lui remettre. Donc finalement, les trois, on était contents. Moi, j'étais content d'envoyer la montre à celui qui me l'a prêtée et de donner un don à un monsieur qui avait besoin. Le monsieur qui avait besoin d'argent était content, maintenant, sans être gêné de me donner de l'argent parce que le monsieur va être content de recevoir la montre. Et bien sûr, monsieur Bessouson en question, il va être content de recevoir la montre et il va être content aussi de donner la donation. En plus, il va lui dire, mais pourquoi tu n'es pas venu depuis longtemps réclamer ton dû? Et l'autre, il va lui dire, ben, peut-être c'est Hachem qui a voulu que je vienne t'apporter cette montre-là. Ça, c'est pas un miracle, mais c'est ce qu'on appelle la providence divine. C'est ce qu'on appelle les histoires que Hachem y fait pour chacun de nous. Voilà, on vit avec des histoires. On vit avec des histoires. Chacun et son histoire. Mais bien sûr, il faut toujours prier à Hachem que l'histoire, que ce qu'on vit, ça soit des histoires sans difficulté, des histoires avec santé, avec parnassa, des histoires bien, pas des histoires qui sont que Dieu préserve, quelqu'un qui va pour faire un check-up, on lui découvre une tumeur, que Dieu préserve. Comme vous savez ce que je voudrais pardonner cette semaine, oh là là, cette semaine c'était hier, la journée d'hier était terrible, terrible. Les gens que j'ai reçus hier, une seule personne m'a donné une bonne nouvelle. Pour vous dire que, voilà, vous savez, on vit des choses terribles. Une seule chose, je peux vous dire, c'est bien. Les tzadikim, lorsqu'ils font la volonté d'Hachem avec joie, alors quand je vois aussi, ils font leur volonté avec joie. Par exemple, venez, je vous raconte une petite histoire, par exemple. Mettons, on comprend que chez Abraham Abino, Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils avaient une vie, on croit qu'ils avaient une vie facile. On croit que tout ce qu'ils demandaient à Hachem, Hachem leur donne. On croit qu'ils étaient les gens les plus heureux du monde. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils ont souffert dans leur vie. C'est vrai, d'un côté, Hachem, il les écoute. Mais d'autre côté, ils payent cher pour ça. Les épreuves qu'ils avaient, la vie dure. Pourquoi, justement, la question se pose. On nous dit que celui qui sert le bon Dieu avec joie et avec sacrifice, il lui manque rien. Et Hachem, il l'écoute. Et Hachem, il lui apporte le bonheur. Alors comment Abraham, Isaac, Jacob, Rabbi Hanan, tous les tzadikim, ils ont souffert dans leur vie. On ne comprend pas. D'un côté, on nous dit que si on est tzaddik, que si on sert le bon Dieu avec joie, et si on fait tout ce que Hachem veut, alors les tzaddikim, il va rien leur manquer. Et de l'autre côté, on voit qu'ils souffrent. C'est ce que Hachamim disent. Tzaddik vera alo, racha vetovlo. Le tzaddik, il souffre, et le racha, il réussit. Pourquoi? Ben, c'est une question qu'on n'a pas de réponse.
Sache, Hachem, il n'y a pas de réponse à ça. Il n'y a pas de réponse à ça. Mais la seule réponse que je peux vous dire, que de vrais tzadikim, c'est la raison pourquoi Kachrou les aime. Pourquoi Kachrou les aime? Parce que les tzadikim, vraiment, ils aiment Akadosh Baruch Hu. Un amour vraiment émet. Un vrai amour, sans condition. C'est pas parce qu'ils ont tout le bonheur qu'ils servent Hachem. Voilà la preuve. Avec, ils prient à Hachem. Tout ce qui sort de leur bouche, c'est accepté chez HaKadosh Baruch Hu. Tout ce qu'ils demandent, c'est accepté chez HaKadosh Baruch Hu. Et toutes les prières qu'ils font pour les autres, c'est accepté chez HaKadosh Baruch Hu. Et même ils souffrent. Pourquoi? Eh bien, pour tout dire, que c'est pas parce que ils vont servir à HaKadosh Baruch Hu qu'ils vivent dans le bonheur. On apprend d'eux que leur amour à Hachem était même lorsqu'ils souffraient. Parce qu'ils savent que ces souffrances-là qu'ils souffrent, c'est pour leur bien. Et c'est des choses à apprendre. Nous n'arrivons pas à l'achever de cette tzadikim-là. Mais au moins, on peut apprendre un peu d'eux. Si on ne peut pas être comme eux, au moins 1% ou 2% être comme eux. C'est tout. Je voudrais vous raconter, par exemple, une des belles histoires de Rabbi Haïm Pinto qui m'a raconté un monsieur cette semaine, non, la semaine dernière, lorsque j'étais en Israël. Il me raconte, il me dit que il y a quelque temps, il y a un ami à lui qui vient lui dire, viens, je te raconte, c'est une histoire que j'ai entendue de chez un de ma famille. Alors ce monsieur, ce rabbin qui me l'a raconté, il s'appelle Rav Meir Eliyahu, c'est un des dirigeants de l'Yeshiva à nous, Yerushalayim. C'est lui qui me la raconte. Il me dit, cet ami-là, il me raconte qu'il y avait une fois, un ami à lui qui est parti au Maroc. Ça s'est passé il y a quelques temps. Il va visiter le Maroc, il visite. Et à un moment donné, il est parti visiter Issaouira. Et de là-bas, il est parti au cimetière. C'est un monsieur qui n'est pas croyant. Hein. Alors le gardien du cimetière, il lui dit, bah, tu sais, ici, les gens, ils ont l'habitude d'allumer les veilleuses. Mais voilà, si tu as allumé une bougie, tu allumes. Bon. Il essaye pour allumer la bougie, il faisait chaud. Pas de vent, rien du tout. Et la bougie, elle s'allume pas. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui allume la bougie? Il essaye des dizaines de fois pour allumer une bougie et la bougie, elle ne s'allume pas. C'est pas logique. C'est pas logique. Jusqu'à ce que le gardien du cimetière lui dit, ben, je comprends pas. Lui, il a essayé de l'allumer, elle s'est allumée, mais le juif qui voulait allumer, ça ne s'allume pas. Bon, le gardien lui dit, c'est bizarre, peut-être le saint, il veut pas ta bougie. Il veut pas que tu allumes la bougie. Bon, le juif, il regarde le gardien, il ne pose pas de questions, il s'en va. Il arrive en Israël, il raconte une histoire. Et soudainement, il y a quelqu'un qui lui pose la question. Et quand tu étais à Issaouira, quel jour c'était? Quel jour de semaine c'était? Il dit, ben, c'était un Shabbat. Il dit, un Shabbat? Ah ben, quand tu as allumé une bougie à la mémoire de Rabbi Haïm Pinto, le Shabbat? Alors l'autre, il lui dit, mais le gardien, elle a allumé. Elle est restée allumée, pourquoi moi? Il dit, le gardien, lui, il n'a pas d'obligation. Il n'est pas juif. La Torah lui a pas interdit, la Torah n'a pas interdit à un non-juif de ne pas allumer les bougies Shabbat. Lui, il a allumé. Mais toi, tu es juif. Toi, la Torah est interdite d'allumer. Donc, Rabbi Haïm Pinto, quelque part, il a voulu te dire que le gardien, il peut allumer parce que lui, il n'est pas juif. La mitzvah de ne pas allumer Shabbat, ça ne s'applique pas en lui, mais ça s'applique en toi. Donc, Rabbi Haïm Pinto n'était pas content. Donc, il n'a pas voulu que tu allumes. Alors, simplement pour vous dire, regardez, les tzadikim, comment ils sont. Ça ne veut pas dire que, écoutez bien ce que je vais vous dire, ça ne veut pas dire que
Et si demain un juif il va à Essaouira, il va dire, quelqu'un qui va écouter mon histoire, il va dire, ben demain je vais aller à Essaouira, Shabbat, et je vais voir si je vais réussir à allumer la bougie. Ben peut-être il va réussir à allumer la bougie Shabbat. Alors, il va me dire, tu vois, voilà, je l'ai allumé. Mais le message, il est clair. Rabbi Hippie ne va pas faire des miracles pour chaque juif qui va au cimetière pour allumer une bougie Shabbat. Non. Mais de temps en temps, les tzaddikim, ils envoient un message. Vous savez, aujourd'hui, on vit aujourd'hui la venue de Mashiach. Mais il faut être aveugle pour ne pas voir que vraiment on vit la préparation de la venue de Mashiach. Pourquoi il va venir? On voit tous les simanim, tous les simanim, on les voit. Mais il faut croire. Et chaque fois, les gens me disent, mais rapidement, chaque fois on nous dit, il va venir, il va venir, il n'est pas venu. C'est vrai, chaque fois on nous le dit, mais il n'est pas loin. C'est ça l'aïmouna. L'aïmouna, c'est. Il ne faut pas cesser de croire. Et c'est ça la grandeur des tzaddikim. La grandeur des tzaddikim, c'est eux. Même lorsqu'ils voient les choses impossibles arriver, ils ont l'aïmouna en Dieu que ça peut arriver. Alors, avec l'aïmouna, ça arrive. Maintenant, je voudrais vous raconter une histoire personnelle à moi. Elle est arrivée hier. Hier. Je vous donne un part d'honneur, c'est une histoire de folie. C'est une histoire de folie. Il faut que vous sachiez que moi, David Pinto, j'ai une émouna, une grande émouna en Hachem. Je sais que tout ce qui vient, il vient d'Hachem. Écoutez bien. Et bien sûr, c'est un héritage qu'on a hérité tous de Avraham Avinu. Vous imaginez Avraham Avinu, toutes les épreuves qu'il a eues dans sa vie, jamais Avraham il a dit pourquoi. Jamais il a dit pourquoi. Hachem lui dit, prends ton fils, sacrifie-le, il le fait. Il ne dit pas pourquoi. Il aurait pu dire à Hachem, mais Hachem, tu rigoles de moi, tu te moques de moi. Tu me dis que de Yitzhak, j'aurai une descendance, et maintenant tu me dis de l'égorger. Tu me dis de cette terre-là, de Canaan, je la donne à tes descendants. Et maintenant, on égorge Yitzhak, j'ai plus de descendants. Alors, même ça, il n'a pas posé comme question. Il a eu l'aïmouna à Hachem. C'est tout. C'est quoi l'aïmouna d'Hachem? C'est quoi? C'est quoi croire en Dieu? Croire en Dieu, c'est lorsque vraiment, tu vois aucune solution. Tu vois, c'est fermé. Tout est fermé. Il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de solution. Et malgré tout, tu crois en Dieu. C'est ça l'aïmouna à Hachem. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui craquent. Ils croient en Dieu. Lorsqu'ils ont un problème, ils ne trouvent pas de solution, ils disent, et pourquoi Dieu a fait ça? Et pourquoi Dieu a fait ça? Et pourquoi Dieu a fait ça? C'est ça le problème. On dit dans Télé, David Améler, il dit, et ça, Enaï, mais Aïn, lorsque j'ai des problèmes, je lève les yeux vers Hachem. Et même lorsque je vois, mais Aïn, même lorsque je vois, il n'y a pas de solution, mais Aïn, il n'y a pas de solution, Yavoézri. De nulle part, il viendra une délivrance. On connaît plein d'histoires comme ça. Plein d'histoires, on connaît. Plein d'histoires. Moi, j'ai eu beaucoup de miracles dans ma vie que je voyais plus d'issue. Je voyais plus de solution. Et hop, la solution, elle arrive. Une fois, j'avais un grand problème. Et je suis parti pèleriner un tzaddik. Et en pèlerinant le tzaddik, j'ai trouvé la solution à mon problème. Et finalement, ce n'était pas un problème. Parce que Hachem, il a effacé le problème, donc il n'y avait plus de problème. Mes amis, l'histoire s'est passée cette semaine. Je devais partir à Montréal pour l'inauguration d'un Sefer Torah. Je peux pas, disons, admettons, le 7 janvier, j'invente une date. D'accord? J'invente une date. Et tous les bénéfices du Sefer Torah, c'est pour la yeshiva. J'accepte. Et après, je me suis rendu compte que ce jour là-bas, le 7 janvier, j'ai promis à une association que je vais à leur soirée pour les aider à ramasser de l'argent pour eux. Donc j'avais un problème. Comment je vais faire? Ah ben, mon entourage, ils m'ont dit, oh, Rabbi David, c'est. Attends, toi aussi tu as tes propres institutions. C'est pas la peine de penser à d'autres.
Toute ta vie, c'est pour les autres. Le bon Dieu t'apporte pour toi, il faut s'occuper aussi de toi. Ils m'ont convaincu que, d'accord, j'accepte. Alors on s'est dit, vous savez quoi, on va pas leur dire maintenant, jusqu'à quelques jours avant la soirée, on va leur dire que j'étais obligé de partir là-bas à Montréal pour une soirée au bénéfice de nos. Et quant à eux, je vais leur faire un petit film et c'est tout. Mais dans mon cœur, j'étais mal. Et en plus, le même jour, je reçois une lettre de chez l'organisation, les rabbins d'organisation qui vont faire la soirée. Bon, je pouvais rien faire. Et en plus, j'avais calculé, je vais à Montréal le 7 janvier, et après le lendemain, je vais à New York pour toute la semaine. C'est les temps que je vais à New York tout le temps. Bon, je ne savais pas quoi faire. J'ai dit, bon, c'est tout. Et voilà, hier soir, on m'appelle de Montréal. On me dit, Rabbi David, il y a un petit problème le 7 janvier. J'ai dit, quoi? C'est un problème parce que ce jour-là-bas, il va y avoir une très grande soirée. Et beaucoup de nos donateurs, ils vont partir à cette soirée-là. Pourquoi? Parce que c'est une soirée qui est la fond pour les bienfaisances de Montréal. Et comme si eux ne savaient pas que nous, on allait faire la soirée du Sefer Torah, ils vont croire que on va un peu gâcher leur soirée. Alors, tout de suite, j'ai dit, c'est au départ, j'ai commencé à défendre ma cause. Je dis non, c'est à eux de pousser la date, parce que nous aussi on a un problème, nous aussi lié à nos institutions. Alors après j'ai commencé à réfléchir. David, toi tu viens à Montréal pour amasser de l'argent pour tes institutions qui ne sont pas à Montréal. Eux, ils vont amasser de l'argent pour les pauvres de Montréal, donc ils ont une priorité sur toi. Deuxièmement, Rabbi David, toi, tu as promis à ces rabbins-là de faire d'être des présidents d'honneur pour leur soirée. Et tu veux leur faire un coup. Donc Akash Baruch Hu veut maintenant te montrer que tu es nul. Dis à ceux qui veulent offrir ce Sefer Torah qu'ils annulent leur date. Comme ça, la soirée pour les pauvres de Montréal, ils la font. Et toi, tu restes à Paris pour la soirée du 7 janvier. Regardez comment Kasbokou il arrange les choses. Si 100% cette organisation qu'ils allaient faire la soirée ici à Paris le 7 janvier, 100%, c'est au nom d'un grand tzaddik, je ne peux pas dire son nom, 100% ses enfants et la famille, ils ont prié Hachem pour que je vienne. Alors c'est la raison pourquoi Kasbokou l'a fait. Qu'une soirée à Montréal, elle est organisée le même jour, le 7 janvier. Comme ça, moi, je serai obligé d'annuler cette soirée et je reste là. Regardez comment Akash Baruch Hu fonctionne. Regardez comment les choses ils se font avec le bon Dieu. Ça, c'est des histoires. Celui qui vit dans la foi avec le bon Dieu, il voit le bon Dieu. Il voit comment Hachemi fonctionne. Malheureusement, il y a des gens qui sont aveugles, qui veulent pas voir. Et lorsqu'ils veulent pas voir, c'est un problème. C'est un problème. Voilà. Ils veulent pas voir. C'est comme qu'il dit le Rabbi Moshe Haim Lutzato. Il y a deux sortes d'aveugles. Il y a un aveugle, il y a un aveugle. Il y a un aveugle qui est aveugle parce qu'il est né aveugle. Le pauvre ne voit pas. Il y a une autre catégorie d'aveugle. C'est celui qui voit, mais il fait semblant qu'il ne voit pas. Il passe. Il y a l'autoroute, il traverse l'autoroute. Mais boule, il passe. Il veut pas voir la vérité. Mes amis, c'est ça l'histoire d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, il nous a tracé un chemin d'aller aveugle derrière Hachem. Mais pour aller aveugle derrière Hachem, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire ce que Hachem il veut de toi de faire. Si tu fais rien du tout, ce que Hachem il veut de toi, comment tu vas avoir la foi en lui? Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, je crois en Dieu, mais ils font rien. Ils font rien de ce que le bon Dieu dit. Alors, quelle foi? La foi en Dieu, déjà,
Est-ce que tu fais ce qu'il a dit de faire? Est-ce que tu fais les mitzvot? Tu les fais. Donc, je te crois. Mais si tu ne les fais pas, comment tu veux? Comment tu peux dire tu crois en Dieu? Ouais, Avraham Avinu, la vache à l'aime, il a fait des choses au-delà de la limite de ce qu'un être humain peut penser. Alors Hachem aussi l'a fait pour lui, l'impossible. Mais ça ne veut pas dire que Avraham Avinu meurt. Parce que c'était de plus qu'un tzaddik qui découvre Hachem, il veut suivre Hachem, il a des épreuves tout le temps. Ces épreuves-là, ce n'est pas parce que Hachem, il n'aime pas, c'est parce qu'Hachem, tellement qu'il aime, qui veut que les gens ils apprennent de ce tzaddik-là, malgré qu'il est tzaddik. Malgré tout, il a des épreuves. Et malgré les épreuves, il continue à être tzaddik. Il continue à aimer Akadosh Baruch Hu. Mes amis, je vous souhaite une bonne journée et que le bon Dieu vous protège. حي بنتو وقف لنا زي خوف.